Oui, bonjour. 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 Alors, c'est Solidaire d'abord, cette émission qui nous est permise par Fréquence 7, qui est pas pareille, différente, enfin bon, bref, qui essaye vraiment d'aller dans le sens de quelque chose d'audible pour tous. Bonne année. Eh oui, bonne année, à vous tous. Bonne année. Max, tu peux nous dire bonne année aussi. Bon, voilà. Bonne année à tous. On est quatre autour de la table et on va parler de plein de choses. La première chose, on va parler un peu de l'actualité. Et puis, on a un sujet aujourd'hui, un sujet important, c'est anticorps. Donc, il faudra me faire signe si jamais on déborde. Hein, dans 7-8 minutes, il faudra qu'on soit sur anticorps. Et on va vous parler d'anticorps parce qu'on a deux spécialistes qui sont venus nous voir aujourd'hui. On a cette chance-là. Actualité. Donc d'abord, bonne année, mais il y a une mauvaise nouvelle quand même, c'est que Virginie Fournier nous a quittés. Virginie qui était toujours en tête des manifestations, qui était très péchue, la semaine dernière, on l'a enterrée. Hein. Oui, c'était un rayon de soleil dans les manifs. C'était un rayon de soleil, oui, tout à fait. On aimait la voir, elle avait, oui, un punch. Ouais. Hein, un punch. Merci pour ton punch, Virginie. Et puis de toute façon, on va le garder dans notre tête parce que voilà, il était tellement présent qu'on ne peut pas l'oublier. Voilà. Alors bon, on a plein de choses à dire sur le bilan de cette année 2023. D'abord, une loi retraite qui nous a été enfilée avec 90% des travailleurs qui n'étaient pas d'accord. Mais ça fait rien. Hein, la démocratie est là. On espère. Donc, on se retrouve avec une loi qui est contre la plupart des gens. Enfin, bon, c'est voilà. Alors, au passage, quelles sont les préoccupations des Français et est-ce que le gouvernement nous va dans le sens des préoccupations des Français? La première préoccupation des Français, c'est la santé. Est-ce qu'on a l'impression que la santé est au rendez-vous dans le gouvernement? Dans le gouvernement, je ne sais pas, mais enfin, sur le plan local, en tous les cas, il ne fait pas bon être malade, on va dire, parce qu'il faut déjà trouver un médecin. Alors déjà, ce Premier ministre Attal, qui a été nommé, nous explique qu'ils vont débloquer 32 milliards pour la santé. En fait, c'est une annonce bidon, comme ils sont capables de le faire, c'est-à-dire que ces 32 milliards sont déjà débloqués. Et il nous annonce que c'est lui, grâce à lui, ça, voilà, et alors ça en plus, mais comme d'habitude, c'est un peu n'importe quoi. Alors justement, sur la santé, on a un premier son qui nous vient de Ruffin, François Ruffin. Refaire le coup, vous savez, qu'on fait depuis 20 ans et auquel j'ai peu participé, en vérité, d'utiliser Marine Le Pen ou son père comme des cauchemars et comme des repoussoirs, et penser que ça suffit de brandir les épouvantails pour que ça vienne chez nous, ça suffit pas. Donc c'est pas ça qu'il faut. Maintenant, il faut dire comment on fait pour résoudre la question de l'hôpital. Vous savez, Emmanuel Macron qui fait cette loi-là, hier, c'est 6700 lits en moins qui ont été annoncés. Ça va deux fois plus vite dans les hôpitaux, les fermetures de lits, qu'avant la crise Covid. Est-ce que c'est de la faute des étrangers si l'hôpital va mal? Non, c'est la faute d'Emmanuel Macron. Nous avons un problème dans notre pays, c'est d'abord le problème Emmanuel Macron aujourd'hui. Voilà, alors donc, ça a le mérite d'être clair. Alors c'est vrai que la deuxième préoccupation des Français, elle, c'est plutôt la vie chère. Or, la vie chère, non, on nous parle d'immigration. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ma foi, oui, je pense que le coût de la vie est cher. Hein. Avec l'inflation, les salaires sont pas indexés sur l'inflation, donc forcément, il y a une perte de pouvoir d'achat. Donc, ce qui préoccupe les Français avant l'immigration, sans doute, hein, c'est de pouvoir vivre, hein, de pouvoir faire ses courses, de pouvoir se vêtir, enfin se chauffer, hein, tout ça. On nous promet déjà une hausse du gaz, de l'électricité. C'est bien, hein, ça avance, hein, vraiment. Alors, on a un deuxième son de Ruffin aussi sur ça, sur la facture et l'immigration. 25 ans, quand sort le premier classement de challenge, les 500 fortunes françaises pèsent 6% de PIB. À l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est 20%. Aujourd'hui, on est à 45%. Voilà le mouvement massif qui se produit et on ne peut pas en parler. Le mot dividende, Emmanuel Macron, il n'a jamais ce mot à la bouche. Il n'en parle pas dans ses deux heures d'entretien de mercredi, mais il n'en perd jamais. Le mot profit, c'est un mot qui est interdit. Ben non, c'est comment on fait pour que ce gigantesque gâteau, il bénéficie à tous, qu'on vive mieux, que les lois proposées par le gouvernement ne soient pas des lois de régression et de désespérance et on va vous pourrir la vie toujours plus, mais que ça soit des lois de progrès.
Voilà, on sent bien que Ruffin, il l'a tellement à cœur qu'il s'en étouffe tellement il a ça à dire. Hein. Voilà, on se rend compte qu'on nous ment à tous les étages. Là, on est en train de nous expliquer que le problème, c'est les immigrés, le problème, c'est les émigrés fiscaux. Hein, c'est pas, voilà, c'est eux qui coûtent très très cher. Et sur les dividendes, moi je peux rajouter, disons, j'ai fait un petit test là, sur l'année 2023 hein, pour voir un petit peu au combien c'était juteux. Et le taux à peu près que j'ai obtenu sur un tout petit portefeuille, hein, il est, mais bon, s'il était plus conséquent, le taux serait le même, c'est plus de 20%. Ah ouais, d'accord. Alors tout ça, c'est au service de l'argent, et on voit que Radio Paris ment, comme au bon temps. Hein. On entendait ça, Radio Paris ment. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Radio Paris sert l'argent. Enfin voilà, c'est vraiment, on se retrouve vraiment sur un truc où cette référence au moment de Vichy, ben parce que tout doucement, on sent bien que beaucoup de choses nous aiguillent vers là. Hein, vous voyez de quoi je veux parler, je suppose. Hein. Aujourd'hui, Bardella fait ses grands vœux à la presse. Hein, ça avance, les choses, on voit qu'on va dans le bon sens. Voilà, inversion du discours complètement entre les émigrés fiscaux et les émigrés tout court. Et la radio, la télé, n'arrête pas de nous mentir et nous mettre en avant des terroristes, la France a peur, etc. Je vais peut-être pas vous citer tout, mais voilà, un père tue sa femme et quatre enfants au couteau. Il n'a pas crié à l'Akbar, celui-là. Hein. Agression raciste du maire du péage de Roussillon. Hein. Péage de Roussillon, oui. Oui, Voilà. c'est. C'est dans la Drôme, il me semble, Ouais. ou l'Isère, Et je ne tu sais pas disais, le exactement. mec, là, il se Ah fait ben moi, agresser. j'ai, disons, j'ai suivi sur YouTube, oui, il y a un petit reportage, hein, donc tout le monde peut aller le voir. Hein. Ce monsieur, il est allé, je crois que c'était enfin, dans le sud de la France, hein, à Carcassonne, il me semble. Hein. Il avait un neveu qui avait passé une thèse, et donc. Il allait à une petite fête qui avait lieu après la défense de cette thèse, et il lui était reproché qu'il était marié, qu'enfin ce monsieur, ce maire du péage de Roussillon, qu'il était marié avec une femme noire, forcément sa fille était métisse, donc ils se sont fait, mais carrément, on peut le dire, casser la gueule. Hein. Mohamed Cissé, tué en bas d'un immeuble par exaspération. Un voisin est allé rentrer chez lui, est allé charger sa carabine, est venu voir les jeunes et leur a dit de dégager. Comme ils n'ont pas dégagé assez vite, et ben il a tiré dans le tas. Voilà. Et le mec, en fait, il s'est pris 6 mois de préve. Un Algérien de 29 ans, agressé au cutter, au cri de sale bougnoule, par un mec de mon âge, hein, 70 balais. Voilà. Et le mec, ben, on attend, on verra quand il sera jugé, quoi. Voilà. Tout ça pour faire le lien quand même avec la Palestine, c'est qu'il y avait une manif samedi matin à Aubenas de 10h à 12h. Il y aura à nouveau une autre manif samedi qui vient de 10h à 12h. Voilà, on sent bien que ce mélange des genres entre immigration et cette guerre sainte qui se passe là-bas, ça a à voir avec notre civilisation. Mais la culture est là, Dati est là. Sans culture, il n'y a pas d'humanité, dit-elle. Et tu disais quoi, là, toi? Eh bien, je suis tombé sur un petit dessin humoristique. On disait qu'enfin le personne qui a dessiné disait mais c'est pourquoi Dati la culture c'est quoi pour vous? Elle disait, elle montrait un collier. Elle disait et ça pauvre con c'est quoi? C'est pas des perles de culture. Des perles de culture, la perle Dati. Bon voilà. Alors notre émission aujourd'hui, le sujet c'est Anticor. On va écouter un petit extrait d'un responsable national qui parle, d'un des responsables nationaux qui parle pour Anticor. La corruption est en train de se développer à vitesse grand V en France. La mafia est en train de s'installer en France. Les magouilles à grande échelle sont en train de s'installer en France. Et pendant ce temps-là, on demande au peuple de se serrer la ceinture. C'est une marche de plus pour que des affaires politico-médiatiques ne sortent pas. Ces gens-là vont pouvoir continuer à magouiller entre eux, tout en se donnant des quitus de la justice. C'est-à-dire que si par hasard ils se font prendre, c'est pas grave, on fera traîner le dossier et puis un procureur nous classera sans suite. Ces gens-là veulent continuer à faire leurs petites affaires entre eux et que, entre
Anticorps était une association qui les gênait. C'est pour ça que je dis aux gens, adhérez. Plus nous serons nombreux à Anticorps, moins nous pourrons nous faire taire. Montrons-leur que nous sommes le nombre. Montrons-leur que le peuple ne se laisse pas faire. Hein, on n'est plus en démocratie. On n'est pas encore en dictature. On commence de plus en plus à être dans démocrature. Démocrature, alors. Aujourd'hui, on a deux personnes qui nous représentent sur Anticorps au niveau régional. Hein? Oui, tout à fait, oui. Alain et Max. Voilà, ben moi je suis Alain Gonzalvez, le référent donc du département de l'Ardèche. Ma co-référente Annick donc, est absente aujourd'hui, bon, ben c'est comme ça. Effectivement, comme le disait mon collègue au national, il nous faut renforcer, il faut nous renforcer au niveau d'adhérents pour pouvoir combattre les injustices qui se font sur tous les niveaux. Voilà, nous avons énormément de mal à pouvoir mener à terme toutes nos plaintes. Elles sont souvent mises de côté, disons qu'elles sont ralenties. Voilà, c'est très compliqué pour nous, en plus avec la perte de l'agrément qu'on a subi. Alors voilà, oui, ce soir vous êtes venu parce que aussi il y a cette perte d'agrément, c'est quand même incroyable ça. Voilà, ben oui, cet agrément donc qui nous a été retiré récemment, donc ben il nous handicape beaucoup, étant donné qu'on ne peut pas faire de recours. Pour passer au-dessus, bon, parce qu'il faut employer les termes qu'il faut, hein, carrément au-dessus des procureurs qui traînent un peu des pieds quand on dépose nos plaintes. Voilà, parce que qu'est-ce que ça change exactement le fait que vous ayez plus cet agrément alors? Ben, ça change qu'on ne peut pas se porter partie civile, Oui, justement, c'est pour ça. qu'il y ait un juge indépendant qui soit, enfin, qui est désigné sur une plainte par le Bureau national d'Anticorps. Oui. Ce qu'on pourra faire quand même, enfin moi je suis un adhérent de base ardéchois et j'ai beaucoup apprécié le travail d'Anticorps dans le département mais ailleurs aussi. Il faut savoir que Anticorps, et je vous invite à regarder le site internet d'Anticorps pour voir toutes les affaires qu'ils ont soulevées. Hein. C'est réellement extrêmement important. Hein. Le ministre de la Justice a été épinglé par Anticorps, les membres du cabinet du président aussi. Mais quelle que soit la couleur politique des personnalités qui ont été épinglées, Anticorps est resté solide à ce poste-là. Et on ne regarde pas la couleur politique, c'est ça qui est intéressant, contrairement à ce que certains essaient de faire croire. Sur le site d'Anticorps, je vous invite à regarder toutes les affaires qui se passent au niveau national. Mais sachez qu'au niveau départemental pour l'Ardèche, il y a aussi de gros, gros, gros problèmes. Beaucoup de maires en prennent vraiment à leur aise et il est temps de les arrêter. Alors toi, Alain, tu Alors, voulais poser la question, hein? Qu'est-ce que c'est? ben oui, Anticorps, moi j'avoue que je connaissais pas vraiment. Hein. Alors je suis allé un petit peu gratter, hein, j'ai vu en plus que la corruption, c'est énorme. Alors je me doutais que c'était énorme, mais c'est 120 milliards en France en 2016. Alors je me dis que ça doit sans doute progresser. Dis donc, il y a beaucoup d'immigrés qui magouillent quand même. Et en Europe, 990 milliards. Donc, vous Ah voyez, oui. il y a des sous, il y a de quoi compter. Oui, c'est à tous les niveaux. Hein. On peut dire que la corruption, bon, mais ça part du simple élu. Il n'y a qu'à d'abord lire. Le plus simple, c'est de lire la charte de l'élu, parce que ces élus-là l'ont sûrement pas lu ou mal lu, sinon on n'aurait pas tous ces soucis. Parce que c'est invraisemblable de voir. La corruption qui s'étend de plus en plus, même dans les tout petits villages, quoi, voilà. Mais Alors après, on se... mais tu sais, les élus, il y en a certains qui n'arrivent pas bien à lire, tu sais, parce que en fait, à l'école, maintenant, on n'apprend plus très bien à lire. C'est pour ça qu'on a eu un ministre de l'Éducation qui est venu renforcer. Hein. Voilà, oui, ça peut être la cause, oui, effectivement. Oui, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que bon, on ne met pas tous les élus dans le même sac, mais à partir du moment où la corruption prend une telle ampleur au niveau national, bah forcément, et qu'on voit que ça se fait dans une certaine impunité, forcément, ça donne des idées aux petits élus locaux, et certains ne savent pas résister.
Sans doute la majorité reste intègre, mais on s'aperçoit avec le temps, et quand on a fait le point de tous les cas que nous avons en Ardèche, le nombre devient inquiétant. Alors il y a l'Ardèche, mais sur le plan national, je crois qu'Anticor, c'est l'affaire Benalla. Tout à fait. Oui, tout à fait. L'affaire Colère, hein, qui est le secrétaire général de l'Élysée. Aussi, oui, c'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas la même. Et puis plus proche de chez nous, l'affaire Dussopt. Hein. Vous savez, c'est le ministre, celui qui ne craque pas, alors, qui hurle à l'Assemblée nationale. Et là, c'est l'organisme de l'eau, hein, qui lui a offert des œuvres d'art remises lors d'un marché public, alors qu'il était maire d'Annonay. C'est exact. Voilà. Au niveau du groupe, du groupe Ardéchois, je vais en profiter pour en parler, disons que au niveau des adhérents, nous arrivons à 111 adhérents actuellement, donc ce qui nous permet d'envisager par la suite certainement de pouvoir pousser un peu plus, que ce soit la préfecture, que ce soit même l'association des maires auxquelles nous avons demandé des rendez-vous et tout, mais ça a toujours été négatif. On n'a eu aucun rendez-vous depuis ces 2 ans que je suis référent, donc aucun rendez-vous, ni avec la procureure, ni avec aucun préfet. Il y en a 3 qui sont passés depuis. Voilà, donc je veux dire que ou on ne nous considère pas, ou alors on fait vraiment peur. Donc c'est le procureur, en fait, la pièce maîtresse de la personne que vous avez en face. Voilà, c'est le procureur, mais enfin bon, au niveau de la préfecture, c'est la même chose. Au niveau de la préfecture, il n'y a pas de suivi. La plupart du temps, c'est un manque de personnel, c'est un manque de formation. Voilà, c'est ce que l'on nous explique au tribunal de Privas. Au tribunal d'instance, pour envoyer un dossier, on est obligé de l'envoyer par la poste en faisant des photocopies. Voilà, on ne peut pas envoyer un dossier dématérialisé avec, on peut nommer Smash ou autre chose, parce qu'ils ne savent pas le réceptionner. Donc, nous, ça nous fait faire des frais, ça nous fait perdre du temps, et sans oublier que, nous, la France est en retard sur l'intelligence artificielle. Hein. Voilà, oui, tout à fait, on dirait que. On ne sait pas si c'est fait exprès ou pas. Bon, oui. Alors c'est grave quand même. Et alors comment ça se passe une action d'Anticor pour arriver à d'une part la dénoncer, arriver à mettre les gens en examen, comment ça se passe? C'est-à-dire au départ, ça part de lanceur d'alerte. Hein. La plupart du temps, c'est le lanceur d'alerte devient adhérent. Et ensuite, nous lançons une enquête pour contrôler la véracité aussi, parce que souvent on arrête rapidement parce que il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de délit, ou à notre avis, ça ne nous concerne pas non plus. Et ensuite, c'est tout un tas de démarches qu'il nous faut faire. Et le plus souvent, ça passe soit par le tribunal administratif. Soit c'est la plainte, justement, au tribunal judiciaire qui est faite par la personne ou par le groupe départemental. Ouais, ce qu'on apprend là, quand même, c'est qu'il y a les affaires nationales que certains ont pu suivre, parce que malgré tout, les médias en ont quand même un tout petit peu parlé, de certaines affaires nationales. Mais en fait, il y a tout ce qui est décliné au niveau régional, il y a plein d'affaires, en fait. Il y a plein de gens qui utilisent leur pouvoir pour déborder un petit peu la légalité. Oui, bien sûr. Alors, on s'en rend compte, nous, dans les dossiers que l'on a, ça va de l'agriculture, dans l'agriculture, donc la plupart des petites communes, des maires qui sont agriculteurs. Ensuite, on peut dire qu'on ne peut pas parler peut-être même de communes ou de. À force de que le temps passe et tout, ça devient fréquent. On se donne un coup de main. Donc. Même la direction départementale de l'agriculture, il y a des dossiers qui sont plus vite bouclés que d'autres. Il y en a qui sont attribués à des personnes, qui sont mieux placées, on va dire. Il y a des arrangements. Il n'y a pas d'arrangement. Mais si, il y en a.
Alors comment ça se passe, il y a, disons, un citoyen dans son village qui se pose certaines questions par rapport, disons, par exemple, à un marché où il vous contacte ? Oui, voilà. Disons qu'il nous contacte souvent parce que lui-même a essayé donc d'avoir soit des documents administratifs qui sont communicables par les mairies. Hein, donc. Et si ces documents, donc, il ne peut pas les avoir, il cherche une porte de sortie. Donc, la plupart du temps, les lanceurs d'alerte qu'on a, ils ont déjà pris un cabinet d'avocats pour essayer d'obtenir ces documents, et puis ils n'y arrivent pas. Parce que là aussi, il y a tout un tas de procédures qui sont un peu litigieuses entre les cabinets d'avocats, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de cabinets d'avocats qui travaillent pour l'Association des maires d'Ardèche et de France. Donc là, à ce niveau-là aussi, on se rend compte qu'on a des blocages. Donc à partir de là, nous, on va prendre en main ce dossier, et on va suivre la règle traditionnelle. Donc c'est Anticorps qui va faire les demandes à la mairie des documents qui sont réclamés par son lanceur d'alerte, et on va enchaîner ensuite la procédure. Comment on fait pour adhérer à Anticorps ? Mais pour adhérer à Anticorps, on n'adhère pas au département, donc c'est au niveau national, donc on s'inscrit uniquement sur anticorps.org au niveau national, en remplissant la fiche, hein, pour mettre son adresse et tout, et du moment que l'adresse, bon, comme nous, c'est 07, je vais recevoir dans la journée, un nouvel adhérent vient d'arriver, voilà. Et son adhésion peut, au niveau fiscal, être déduite, oui, y compris, les dons, puis, de 66%. Voilà, il y a l'adhésion, bon, on peut dire le prix, elle est de 35% à l'année, 35 euros, pardon. À l'année, et pour 12 euros pour les personnes qui sont sans emploi ou qui ont des difficultés financières, voilà, il y a des tarifs réduits. Mm-hmm. Et disons que ça évite à beaucoup de gens aussi de prendre un cabinet juridique ou quoi pour se faire aider à remplir soit une plainte, soit une demande de documents et tout. Nous avons le cabinet juridique d'Anticorps avec les permanents, donc les salariés, qui travaillent là-dessus, et c'est eux qui s'occupent de monter les dossiers aussi. Et si quelqu'un veut vous contacter sur le plan ardéchois, vous avez un téléphone ou une adresse mail? Voilà, ou... ben, il y a une adresse mail, hein, c'est groupe local, donc c'est gl07@gl-du6anticorps.org. Tu peux le répéter une fois? Donc gl07@du6, qu'on dit, anticorps.org. D'accord. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être actif et de nous défendre, parce qu'en fait, vous défendez tout le monde, là. Mais oui, bien sûr. Vous défendez l'intérêt général. C'est tout à fait. Oui, vous êtes contre l'impunité, contre la corruption, et pour l'égalité des gens devant la loi. C'est ça. Hein ? Oui, c'est ça, et c'est nous ça. Demandons au procureur, dont c'est le véritable rôle, d'être un petit peu plus actif et d'avoir un petit peu plus de répondants quand on leur signale une affaire et qu'ils ont toutes les pièces en leur possession qui prouvent qu'il y a eu des malversations dans une commune. Il est anormal qu'il n'y ait pas de suite, parce que la démocratie, c'est effectivement que le citoyen puisse avoir confiance en ses élus. Et malheureusement, on s'en éloigne quotidiennement. Confiance en ses élus et en la justice. Le procureur est un fonctionnaire, je pense. Hein. Est un fonctionnaire, oui, bien sûr. Et il est disons, choisi par qui, cet homme-là? Par les gouvernants. Par les gouvernants. Voilà, et ça, disons oui. Que... Et ça, alors, c'est une anomalie, bon. C'est une anomalie, puisque ça n'existe pas ailleurs, voilà. Ah oui. Il faut qu'on s'arrête. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire ? Ben, adhérer à Anticorps pour qu'on soit de plus en plus nombreux, pour que la démocratie survive. Ouais. Merci beaucoup en tout cas de ce travail que vous faites. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.